partagée entre les gens, s'assoit sur cette base que les gens soient unis, leur attachement à la justice, à la parole donnée, à la probité, au mérite, au travail. On va dire, ils sont les premiers, ceux qui font prospérer l'idée du tribalisme. Ils vont essayer de rejeter tout ça en cause de l'éducation. Regardez les résultats, on a gagné partout, nous sommes fiers de la confiance du peuple guinéen, dans sa diversité. Mais partout où il y a des histoires, c'est là où ils ont sémé la discorde sur la base de responsabilité inutile. Mais lorsque vous regardez les résultats de votre aujourd'hui, je suis fier. Je suis même fier de dire qu'Alpha Condé a eu un siège à la CRD, à la commune rurale de Dalen. Ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème, ça ne doit pas susciter la haine. Lorsque je vois le ressortissant de Dalen qui a voté sur Alpha, je vais juste le chahuter et dire, mais pourquoi toi tu as fait ça? Mais ce n'est pas, ça ne doit pas être source de haine. Je suis un démocrate convaincu. Je pense que la loi a autorisé chaque citoyen à faire son choix. Lorsqu'on choisit en fonction de la confiance qu'on porte au leader ou au parti, à son projet, mais c'est tout à fait un droit exercé qui doit être reconnu et respecté. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème d'ethnie. Il faut qu'on sorte ça. Nous devons être une société moderne où le critère doit être le mérite ou le critère de l'attachement à des valeurs sans que nous divisions notre peuple comme ça. C'est le pouvoir qui a pour de bilan et de résultat. Qui est en train de se dérouler. Heureusement, je pense que ça marche et ça me réjouit. Et nous comptons sur vous pour promouvoir l'unité de la nation, l'égalité des citoyens, le respect de leurs droits, la justice pour tous. Je vous remercie.